Bonjour, notre agence a été créée en 1999. Notre vision, c'est que notre métier peut amener la ville de demain, et c'est ce qu'on essaie de faire chaque jour. Alors, nous nous sommes rencontrés avec le groupe Quartus il y a déjà quelques années, et effectivement, nous partageons la même philosophie, et notamment des gestions de l'environnement par rapport à un projet de construction neuf. La société Quartus a pour ça justement mis en place tout un tas de systèmes qui permettent de nous donner des outils à nous, architectes, de pouvoir amener des projets de qualité jusqu'au bout. Alors le projet est dans un environnement qui est sur le bassin d'Arcachon, à proximité immédiate de la réserve naturelle du Teche. Donc il a fallu intégrer une architecture qui se confonde avec ce paysage déjà existant et qui a une vraie identité locale. Donc notre projet reprend les modèles nature, la volumétrie, la conception, les matériaux aussi. Le bois est extrêmement utilisé dans notre projet. Alors il a le double avantage, d'abord de s'intégrer parfaitement à une architecture locale, et l'autre avantage d'être un matériau biosourcé. Et Dieu sait si aujourd'hui, la future architecture ou les architectures que nous mettons en œuvre essaient d'utiliser au maximum ce type de matériaux. La particularité du projet, c'est que la programmation a été orientée de deux façons différentes. La première, de petites maisons individuelles, et la seconde, d'immeubles collectifs pour faire une transition entre les quartiers pavillonnaires existants et les constructions beaucoup plus présente, et notamment due à la présence de la gare immédiate, qui est un atout aussi, là encore une fois, très avantageux pour ce type de projet. Nous nous situons à 300 mètres de la gare, et donc de Bordeaux, avec un cheminement qui est écologiquement propre. Cette résidence a été traitée avec une architecture, donc comme je l'expliquais plus tôt, de façon traditionnelle, donc on a des avant-toits. Donc l'architecture, ces architectures-là sont parfaitement adaptées à nos climats, au réchauffement climatique aussi, puisqu'on a des zones ombragés qui sont mises en œuvre. Donc c'est une résidence qui sera pérenne dans le temps. L'association du groupe Quartus et de la maîtrise d'œuvre dont je suis le représentant ont essayé de tout mettre en œuvre pour que ce soit une résidence de qualité à l'échelle humaine avec un cadre de vie qui est préexistant et déjà carrément fabuleux.